Le ministère marial et prophétique des guerriers de prière et le ministère famille des peuples organise la retraite du désert. La retraite du désert du 6 au 8 mars. Du vendredi à 6h ou dimanche à 17h à la montagne à Brofodoumé. Samedi 7 mars 2020, montagne de prière. Montagne de prière. Via réalité pour le peuple béninois. Le programme le plus explosif de miracles, de guérison et de délivrance par l'intercession de la Vierge Marie. Du vendredi 27 au dimanche 29 mars 2020. Un programme où aucun malade ne retournera avec sa maladie. Où Dieu révélera avec précision tout ce qui vous tourmente. Où toute opposition dans votre vie se transformera en soumission. Vendredi 27 de 17h à 20h. Samedi 28 de 9h à 20h. Dimanche 29 de 9h à 17h. À la paroisse Saint-Charbel, à Kwakba, juste à la descente de l'ancien pont. Lundi 30 mars au mercredi 1er avril. Rencontre avec les partenaires pour les consultations prophétiques et l'exorcisme des familles. Prédicateur, Abba, Achiapa comme Marie, Théotokos Tour, Cotonou. Vous n'avez pas le droit de rater ce programme qui transformera votre destinée. Infoline, plus 225-0131. L'ONG Betsael, le ministère marial et prophétique des guerriers de prière et le ministère famille des peuples organise. L'école de guerre spirituelle. L'école de guerre spirituelle. Chaque deuxième samedi du mois, à partir du 14 mars, de 17h à 20h, au centre d'excellence d'engrais, situé près de la paroisse Saint-Ambroise-Mavigne. Objectif, former des guerriers de prière, équipés et entraînés pour prendre d'assaut toutes les situations et tous les domaines de la vie. Prédicateur, Abba, Achiapa comme Marie, entrée gratuite. École de guerre spirituelle. École de guerre spirituelle. Parce que la vie ne vous donnera pas ce que vous méritez, mais ce pourquoi vous combattez. 01 31 51 06 05 96 77 12 77 54 83 80. Alléluia. N'oublions pas, c'est toujours notre maîtrise de la nuit qui nous donne de posséder la journée. Nous commençons avec quelques minutes de retard dus à des problèmes de réseau très forts sur le plateau d'Abidjan, surtout sur le plateau de Cocody en Grès. Mais je suis heureux parce que beaucoup, malgré la coupure, ont partagé cette émission. N'oubliez pas, nous faisons cette émission depuis hier en direct de la paroisse Théotokos. Là, je suis dans le bureau de ma doudou gourou chocolatée tendre, appétissante, Mireille Stella Achia. Et je suis dans le salon de son bureau. Et n'oubliez pas, tous les jours, nous faisons la divine liturgie avec des temps d'intercession, de prière, de miracles. Et tous ceux qui partagent, leur nom sera sur l'autel, cette nuit même. Et les chandeliers sont allumés parce que demain, nous rentrons dans les temps pré-sanctifiés. Et je crois que Dieu te rejoindra. Déjà, ceux qui ont eu la grâce, malgré cette coupure de partager, je vais dire les noms, les bénis, pour que les autres partagent rapidement cette émission parce que nous sommes dans 40 jours de jeûne pour le grand carême et Dieu veut par toi toucher quelqu'un. Dieu veut par toi rejoindre quelqu'un dans ses difficultés. Valérie Yao, Chantal Apo, Serge, Bernard Chia, Caroline Tagro, Louise Indad, Yvette Yams, Christelle, Maïla, Béatrice Mendy, Kwasi Benjamin, Pélagie Nyangui, Christine Conan, Viviane Blanchard, Apolline Irié, Marguerite Yorokon, Marie-Rose Sacré, Rachel, Manouan Désiré, Parezo, Gisèle Anou, Achia, Yolande Crayon, Nani Tano, Dominique Mavioga, Edwige Marie-Noël Kofi, Blanche Richemont, Marie-Florence Mendy, Achia, Marie-Florence Mendy, ça va? Caroline Tévi, Patricia Déby, Muriel. Ah, Muriel, ma Muriel, la Miss Abigi, elle en direct. Muriel Westing, sois béni. Madeleine Kwaku, Blandine Ouattara, Caroline Biafri, Monique Nzele Besset, Béatrice Bontemps, Daniel Kwasi, Marie-Anna Dio, Marie-Thérèse Nyagne, Kiki Cathy, ça va ma fille bien-aimée. Amoussou Kofi, Ella Wessou, Sandrine, sois béni. Ma fille Sandrine, Anita Nda, David Naré, Nathalie Badobré, Anissette Akossi, Anne Ghislaine Achia. Est-ce qu'elle a le droit de porter le nom Achia, Anne Ghislaine? Hein? Est-ce qu'elle est qualifiée? Anne Ghislaine, il faut te rapprocher de la sœur Florence parce que pour porter ce nom Achia, il ne faut pas partir de la famille. Lydie Mambo, Brigitte Nda, Marie-Thérèse Dosso. Ah, l'ambassadrice Dosso. Miss Univers Belgique éternelle. Sois béni. Bernadette Kouassi,
sur YouTube, Muriel, Kouraté, Cathy. Mais les gens de YouTube, malgré la coupure, mais réagissez parce que Francky le sexy est là ce soir, dans un pantalon plaqué comme jamais, et vous ne réagissez pas. Cathy Kilomba, Anne Ghislaine, Tatiana Védrenne, Marie-Paul, Kadia, Kémine Guessan, Laurette Bamono, Catherine Pinto, Viviane Blanchard, Désirée par Réseau Point. C'est la liste de l'église de YouTube de ce soir. Ça, c'est pas bon. Hein, encouragez Francky le sexy dans son jean bleu ciel et dans son blouson parce qu'il fait mains et pieds pour que Dieu vous connecte. Donc, je mettrai cette liste sur l'autel et demain. Ceux qui le peuvent, n'oubliez pas d'envoyer vos demandes de début de liturgie à la sœur Florence. Mais déjà cette nuit, pendant que nous allons allumer le chandelier sur l'autel qui va rester allumé, les anges vont visiter ton nom. Et je crois qu'attends-toi quelque chose après, pendant ces 40 jours. Pour l'heure, comme tous les soirs, tout guerrier de prière rentre dans la guerre spirituelle en remerciant le Seigneur pour la fin de cette journée. Nous sommes partis, nous sommes revenus. Dieu, notre Dieu, nous a gardés, comme dit le psalmiste, que son nom soit honoré, béni, glorifié par toute la terre. Alléluia. Bien-aimés, après notre action de grâce, il est bon que nous puissions nous mettre à genoux devant lui, reconnaître nos pauvretés, déchirer nos cœurs et nos poings, nos vêtements, avec cette parole que vous connaissez par cœur, si vous êtes des guerriers authentiques de prière. C'est une arme pour notre toilettage spirituel, pour désinfecter notre âme, saupoudrer notre esprit et purger notre corps de toutes les œuvres mortes. Proverbe chapitre 28, verset 13. Salomon dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Sang de Jésus, n'oubliez pas, suivez-nous en direct à la Divine Liturgie chaque jour pendant ces 40 jours-là, de 19h30 à 21h, avec des enseignements profonds, avec des prières d'intercession puissantes. Demandez vos demandes de liturgie au numéro de la sœur Florence, plus 225 01 31 51 06. Et je crois que Dieu vous fera du bien. Pendant ces 40 jours, mettons toutes les armes de nos côtés. Pour ceux qui sont sur le plateau d'Abidjan, rejoignons-nous à la paroisse Sotokos, Anglais, 8e tranche, après le pont Soro. Et il y a également, nous avons la confession publique avec deux prophètes, Monseigneur Charles-Marie et moi-même. Et nous allons vous aider dans cette beauté de la liturgie orthodoxe à aller au fond de ces choses qui tapissent comme chacun de nous au fond de notre cœur. Repentons-nous en invoquant trois fois le sang de Jésus et en nous aspergeant pour ceux qui ont l'eau prophétique, qui ont de l'eau bénite, qui ont l'eau de la photophanie, afin que toute souillure soit extirpée de nous et que toute lave soit ôtée de nous. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus, plus ensemble. Oh mon Dieu, je suis là encore devant ta face pour implorer ton pardon, ta miséricorde, pour tous les péchés que j'ai bien pu commettre pendant la journée et jusqu'à cette heure. Oh Dieu, sonde mon cœur, pour qu'aucune de mes transgressions ne te soit cachée. Ce soir, c'est mon âme que j'expose à ta miséricorde. J'ai véritablement blessé ton cœur de paix par les mensonges, par les impuretés, par le vol, la méchanceté à mon cœur. Oh Dieu mon Père, j'ai emprisonné mon frère dans mon cœur à cause des ressentiments. J'ai refusé le pardon à mes frères. J'ai méprisé les autres en posant sur eux un regard hautain. C'est pourquoi je te supplie, aie pitié de moi. J'ai fait acte de repentance et je décide en toute sincérité, de pardonner à ce frère, à cette sœur qui m'a blessé. C'est pourquoi, oh Dieu, je t'implore, prends également pitié de moi, efface mon péché, purifie-moi avec l'hysope, restaure-moi par le sang du rachat. Oh Dieu,
Je te le demande au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, après notre repentance, il est bon que toi et moi, nous puissions renoncer à toutes les œuvres mortes, toutes les œuvres dangereuses, toutes les œuvres ténébreuses, tout ce qui en nous appartient à l'ennemi. Faisons notre acte de renoncement. Séparons-nous des choses des ténèbres en invoquant trois fois le feu du Saint-Esprit. Prie avec moi. Feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit. Renonçons ensemble à Satan. Je renonce à Satan. Je renonce à toutes ces œuvres familiales et personnelles. Je n'ai plus rien à voir avec tout cela. Je renonce à l'idolâtrie, au maraboutage, à la sorcellerie et à toutes les pratiques occultes. Je renonce à l'esprit des eaux, à l'orgueil, à la colère, à l'avortement et au vol. Je renonce à l'immoralité sexuelle sous toutes ses formes. Je décide de ne plus retomber dans ces choses impures. Je suis la plantation de l'Éternel. Je suis la propriété de l'Éternel. J'appartiens à Jésus-Christ. Mon corps, mon âme et mon esprit lui appartiennent. C'est pourquoi cette nuit encore, je sors mon âme et ma vie de ma lignée ainsi que de ma maison paternelle et maternelle. Je plonge mon âme dans le sang de Jésus et je coupe tout cordon ombilical spirituel et psychique négatif qui me relie à mon village, à ma famille maternelle comme paternelle. Je coupe ce cordon avec l'épée de l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, combat avec moi le bon combat de la foi. Et ce soir, n'oubliez pas, nous entrons dans des guerres spirituelles importantes. Et depuis hier, nous avons développé un thème pour ceux qui nous ont suivis depuis hier jusqu'à ce matin. Nous avons combattu contre certains esprits. Nous avons combattu les esprits mauvais qui étaient présents le jour du mariage de nos parents et qui influencent nos vieux ce soir. Nous continuons encore pour terminer demain avec ces esprits-là. Comment combattre ces esprits mauvais qui étaient présents le jour du mariage de nos parents ou bien qui ont influencé la rencontre de nos parents, qui ont influencé leur vie individuelle et qui ont influencé leurs relations et qui, à cause de cela, influencent nos vies. Samuel va nous aider pendant ce temps du grand carême à aller en guerre. N'oubliez pas, ce week-end, nous avons la retraite du désert. Vous tous qui êtes à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, qui êtes dans les pays environnants, vous tous qui êtes à l'extérieur, prenez un avion, prenez un car, prenez votre taxi, venez rapidement à la retraite de rassemblement. Le rassemblement ne sera plus à la Reine de la Liberté, à Libertatis Arena, mais le rassemblement sera maintenant au Centre d'excellence d'engrais pour converger vers la montagne de prière le samedi. Les autres nous retrouverons à la montagne pour ce grand cheminement prophétique-là, pour la montagne de prière, pour la marche victorieuse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La retraite du désert, c'est donc ce vendredi 6 au dimanche 8 novembre, samedi 7 mars, pardon, qu'est-ce que je raconte? Dimanche 6 au dimanche, vendredi 6 au dimanche 8 mars, vendredi 6 mars au dimanche 8 mars et le samedi 7 mars, devant la montagne de prière couplée avec la retraite du désert à Brofodoumé de 6h à 17h. La bonne annonce vous a été communiquée tout à l'heure pour l'heure. Entrons en guerre. 1 Samuel chapitre 17, verset 46. Je bénis encore des personnes qui partagent parce que ce soir, c'est avec demain matin la finale pour briser tous les liens qui étaient là dans la rencontre de nos parents, dans le mariage de nos parents, dans la dot de nos parents et qui influence nos vies. Donc, partagez au maximum, malgré la coupure de tout à l'heure, reconnectez tous vos amis, tous vos frères qui ont besoin de restauration. Parce que Samuel
a des paroles puissantes à nous dire. Alors, nous avons la prière de Francky le Sexy, Anissette Akossi sur YouTube, Nathalie Assi, Joanne, Esmel, Noël, Eric, Zagbayou. Vous tous, vos noms seront sur l'autel de la paroisse Théotokos avec les sept chandeliers allumés pour que les sept archanges, Michael, Gabriel, Raphaël, Jéhoudiel, Barakiel, Séraphiel, Uriel et les archanges dont parle le livre d'Esdras vous rejoignent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 1 Samuel chapitre 17 verset 46, Dieu dit à Samuel, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je couperai ta tête. Cette parole de David contre Goliath est une parole de victoire, une parole d'exaucement. Je crois que tu vas couper la tête de tout esprit générationnel, de tout esprit de famille qui continue à t'oppresser. N'oublie pas, pendant ce temps de carême, tous les tests que nous vous donnons à 6 heures et à minuit, ainsi que les tests que nous vous donnons à méditer au cours de la Libre Liturgie, sont des paroles qu'il faut méditer chaque jour, chaque heure, sont les tests à méditer tout au long de votre journée pour votre temps de carême. Par exemple, les tests de la Divine Liturgie jusqu'à 19h, méditez ceux de la veille, priez avec, lisez-les plusieurs fois, au moins 40 fois, et les versets que nous vous donnons pendant ce temps de guerre-là, proclamez-les au moins 40 fois, mais 72 fois, et vous allez voir des choses extraordinaires se passer. Des anges que vous ne pouvez même pas soupçonner viendront travailler avec vous. Méditez ce verset qui est fort. Et laisse le Saint-Esprit t'orienter. N'oublie pas, ce week-end, retraite du désert. Et nous irons le 27 Théotokos à Cotonou, dans le quartier Akpakpa, à la belle salle de la paroisse Saint-Chabel. Ça sera du 27 au dimanche 29. Ça sera fort, ça sera puissant. Prépare ce test de guerre. Et nous revenons après ces deux bandes annonces pour te faire entrer dans l'exaucement. Et après toi, la guerre fera du bruit pour toi ce soir. L'ONG Betzel, le ministère marial et prophétique des guerriers de prière et le ministère famille des publics organisent la retraite du désert. La retraite du désert du 6 au 8 mars. Du vendredi à 6h ou dimanche à 17h à la montagne à Brofodoumé. Samedi 7 mars 2020, montagne de prière. Montagne de prière. De 6h à 17h à la montagne à Brofodoumé, route d'Alépée. Thème, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous n'y les verrez plus jamais. Exode 14, verset 13. Prédicateur, Abba Achiapa comme Marie. Objectif, veillée de prière, de démolition des hôtels démoniaques et de libération des liens démoniaques. Guérison, restauration, proclamation prophétique, divine liturgie, écoute et accompagnement spirituel. Participation sous condition. Notez bien, prévoit des tenues adaptées à la montagne. Rassemblement à l'arène de la liberté, engrais gestes aussi. 01 31 51 06 05 96 77 12 77 54 83 80. La retraite du désert. La retraite du désert. Après la France. L'ONG Belsahel, le ministère marial et prophétique des guerriers de prière et le ministère famille des peuples organise Théotokos Tour Cotonou. Retraite des cas urgents. Thème, Maman Marie, mon cas est urgent. Le rêve devient réalité pour le peuple béninois. Le programme le plus explosif de miracles, de guérison et de délivrance par l'intercession de la Vierge Marie. Du vendredi 27 au dimanche 29 mars 2020. Un programme où aucun malade ne retournera avec sa maladie. Où Dieu révélera avec précision tout ce qui vous tourmente. Où toute opposition dans votre vie se transformera en soumission. Vendredi 27 de 17h à 20h. Samedi 28 de 9h à 20h. Dimanche 29 de 9h à 17h. À la paroisse Saint-Charbel, à Kwakba, juste à la descente de l'ancien pont. Lundi 30 mars au mercredi 1er avril, rencontre avec les partenaires pour les consultations prophétiques et l'exorcisme des familles. Prédicateur, Abba, Achiapa comme Marie, Théotokos Tour, Cotonou. Vous n'avez pas le droit de rater ce programme qui transformera votre destinée. Infoline, plus 225 01 31 51 06, plus 225 02 11 97 07.
Alléluia, alléluia. Bien-aimé, ah, il y a de nouvelles personnes qui ont partagé. Maria Regina Gomez, Dakouri, Leila Kania, Chia Kania, ça va? Monet Christine Dro, Flor, Fankem, Julie Lorette Salami, Olivier Ketachou, Joanne Francine Esmel, Lou, Julie, Marilyn, Marie-Jeanne Da, Valérie Yao, Célestine Raymond. Le divin Asakara, ça c'est le nom de quelqu'un, c'est vrai? Edwige Angiao, Clarisse Bois, Rachoukra, Inès Traoré, Colette Nguessan, Edwige Azialo, Kone Jocelyne Achia, ma fille. Tu es bien rentré, j'espère. Yam Sokro, Denise Agré, Edwige, ya, Aka, Christophe Yotio, Cécile So, Judith Bationo, Quadio, c'est l'heure de la guerre, c'est l'heure du combat spirituel. Samuel nous a dit, 1 Samuel chapitre 17, verset 46. Cette parole forte, proclamez cette parole maintenant à haute voix, cette parole que David a déclarée contre ses ennemis. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je couperai ta tête. Sang de Jésus trois fois, feu du Saint-Esprit trois fois, et nous rentrons en guerre et nous combattons le bon combat de la foi en demandant à Dieu de nous rejoindre au carrefour de nos besoins. N'oublie pas! Si tu fermes ta bouche, tu empêches ton miracle, mais si tu ouvres ta bouche, tu permets à toutes les ressources de notre royaume de se déployer en ta faveur. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, puis avec moi. Oh Dieu, ce soir, je vais contre mes ennemis avec ton nom. Je proclame ma victoire sur tout Goliath qui m'a combattu jusqu'à ce jour. Oh Yahweh, alors que je remets mon combat en tes mains, j'ai la ferme assurance, les brasés qui étaient les beaux. La katalaban rabouska, adolebesi katalabalakaya, que les anges guerriers combattent pour moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prends quoi une parole, n'oublie pas. Ces paroles à méditer 40, 72 fois, des paroles fortes. Après David, qui a terrassé Goliath, David revient cette fois-ci avec le psaume 45, verset 6. Il dit, tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi, elles perceront le cœur des ennemis du roi. Alléluia. Théotokos trois fois. Feu du Saint-Esprit trois fois, et nous commençons, nous continuons, nous accentuons, nous aggravons le combat. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus, Théotokos, 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 feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, prie avec moi. Oh Dieu, je plaide le feu du Saint-Esprit sur mon histoire. Et je commande que le feu du Saint-Esprit attaque tout démon qui prend appui sur les circonstances de la rencontre de mes parents. Pendant que je bats des mains et des pieds, les carabaou, si caraba, les ketebe, bra 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 bra. Que le feu du Saint-Esprit disperse ces démons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Combat avec moi, oh Dieu, Dieu de mon salut. Tu me dis par la bouche de Paul que tu as effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient et qui subsistait contre moi. C'est pourquoi cette nuit, par le sang de Jésus, j'annule, j'efface toute base maléfique de frustration, de jalousie, d'amertume, tout mauvais sentiment suscité par ce mariage et sur lequel mes ennemis s'appuient pour me combattre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'Hébro Chakaraba, combat avec moi le bon combat de la foi et invoquons ensemble et soyons trempés du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus, prie avec moi.
par le sang de Jésus, j'annule, j'efface tout sang qui a été versé pour honorer le mariage de mes parents. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Plus encore, toute malédiction inconsciente créée par ces actes abominables, arrête de m'attaquer. Et je suis affranchi de toutes ces influences générationnelles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les brochacarabas. N'oublie pas, depuis hier nuit, nous combattons. Nous nous sommes levés contre les actes posés par nos deux parents avant, pendant leur mariage, leur dot, leur fiançailles, leur rencontre de petites amies, les actes qu'ils ont pu poser consciemment ou inconsciemment et qui influencent jusque-là notre vie affective. Combattons encore avec David. Psaume 27, verset 2. David dit, « Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. » Les katabas. C'est une parole qui est forte. Feu du Saint-Esprit trois fois et combat avec moi le bon combat de la foi. Et n'oublie pas, le maître nous a dit, depuis Jean-Baptiste, le royaume souffre violence et seuls les violents s'en emparent. Feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, plus avec moi. Oh Dieu, mon cœur s'emplit d'une sainte colère alors que mes ennemis se concertent pour méditer ma chute. Seigneur Jésus, ils me tiennent entravés. Mais ce soir, Père, j'appelle la puissance de feu du Saint-Esprit pour frapper tout esprit gardien de famille qui était présent lors du mariage de mes parents et que toute principauté maléfique qui présidait cette cérémonie, cette dot, ce mariage traditionnel, ce co-co-co, ces fiançailles, cette rencontre de petits amis amoureux soit renversée, lié et enseveli sous la croix glorieuse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les Bakete, les Boshakaraba. Invoquons les trois archanges majeurs, les séraphins qui sont plus proches avec les quatre hauts du trône de Dieu et combattons encore le bon combat de la foi. Archange Michael, archange Gabriel, archange Raphaël, prie avec moi. Oh Dieu, Dieu de ma délivrance, je remonte les temps jusqu'au jour de la célébration du mariage, de la dot, des fiançailles, jusqu'au jour où mes deux parents se sont dit qu'ils s'aiment. Et j'appelle l'archange Raphaël pour parrainer cet instant. Oh, c'est l'archange Raphaël, toi qui as chassé Asmodée, qui combattait Sarah. Je te prie cette nuit de chasser loin de ma vie tout démon qui perturbe ma paix comme résultat des activités du mariage de mes parents. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Continue encore de combattre avec moi en t'appuyant sur une parole qu'un grand prophète, le dernier avant le Nouveau Testament, nous a donnée, Zacharie. Zacharie, chapitre 4. Verset 6, il dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Nous allons combattre avec ce verset-là, en invoquant trois fois le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Prie avec moi. Oh Dieu, en ce soir, je te remets mon combat. Tu me dis en Zacharie, chapitre 4, verset 6, que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, ni par l'intelligence, mais c'est par ton esprit. C'est pourquoi, oh Dieu, je m'en remets au secours de l'Esprit Saint pour sonder, pour assainir le mariage de mes parents, afin que tout démon qui trouvait dans ce mariage une base légale contre mon épanouissement affectif, soit foudroyé et chassé de ma vie.
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, les brochakarabas, je vais tendre la main de Dieu. Vous tous dont les mariages sont troublés, dont les relations n'aboutissent jamais, vous tous dont la vie conjugale est en dents de scie, je commande à me lever de l'esprit. Je me lève de la présence de Dieu. Je me lève spirituellement pour aller dans les lieux élevés et pour m'asseoir à la droite du Christ. Et dans cette position d'autorité, je prophétise à bas à chair par comme Marie. Thaumaturge et guérisseur de Jésus, que tout ce qui combat ton mariage est poursuivi par les sept archanges maintenant, ligoté et envoyé directement dans le feu. Je prophétise, 21 jours après aujourd'hui, ton mariage prendra place. Ta vie affective sera restaurée. Ton conjoint reviendra à la maison et celui avec qui tu es te conduira au juste noces. Avec ma bénédiction, que la grâce soit sur vous, n'oubliez pas, cette nuit, élevez une intercession forte en priant avec un saint qui est à la fois prié par les Romains et les orthodoxes, Saint Casimir, mais surtout, surtout, vous confiez à un saint que j'aime beaucoup, Saint Chabel, qu'il combatte pour vous pendant ces 21 jours. Faites sa litanie avec ma bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'ONG Betzel, le ministère marial et prophétique des guéris de prière et le ministère famille des peuples organise la retraite du désert, du 6 au 8 mars. Du vendredi à 6h ou dimanche à 17h à la montagne à Brofodoumé. Samedi 7 mars 2020, montagne de prière. De 6h à 17h à la montagne à Brofodoumé, route d'Alépé. Thème, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous n'y les verrez plus jamais. Exode 14, verset 13. Prédicateur, Abba Achiappa comme Marie. Objectif, veillée de prière, de démolition des hôtels démoniaques et de libération des liens démoniaques. Guérison, restauration, proclamation prophétique, divine liturgie, écoute et accompagnement spirituel. Participation sous condition, notez bien, prévoit des tenues adaptées à la montagne. Rassemblement à l'arène de la liberté, en Grégès aussi. 01 31 51 06 05 96 77 12 77 54 83 80. La retraite du désert, de la France. L'ONG Betzel, le ministère marial et prophétique des guéris de prière et le ministère famille des peuples organise Théotokos Tour Cotonou. Retraite des cas urgents. Thème, Maman Marie, mon cas est urgent. Le rêve devient réalité pour le peuple béninois. Le programme le plus explosif de miracles, de guérison et de délivrance par l'intercession de la Vierge Marie du vendredi 27 au dimanche 29 mars 2020. Un programme où aucun malade ne retournera avec sa maladie, où Dieu révélera avec précision tout ce qui vous tourmente, où toute opposition dans votre vie se transformera en soumission. Vendredi 27 de 17h à 20h, samedi 28 de 9h à 20h, dimanche 29 de 9h à 17h à la paroisse Saint-Charles-Bel à Kwakma, juste à la descente de l'ancien pont. Lundi 30 mars au mercredi 1er avril, rencontre avec les partenaires pour les consultations prophétiques et l'exorcisme des familles. Prédicateur, Abba, Achiappa comme Marie, Théotokos Tour, Cotonou. Vous n'avez pas le droit de rater ce programme qui transformera votre destinée. Infoline, plus 225 01 31 51 06, plus 225 02 11 97 07. L'ONG Betzel, le ministère marial et prophétique des guéris de prière et le ministère famille des peuples organise l'école de guerre spirituelle. Chaque deuxième samedi du mois, à partir du 14 mars, de 17h à 20h, au centre d'excellence d'Engrais, situé près de la paroisse Saint-Ambroise-Mavigne. Objectif, former des guerriers de prière, équipés et entraînés pour prendre d'assaut toutes les situations et tous les domaines de la vie. Prédicateur, Abba, Achiappa comme Marie, entrée gratuite. École de guerre spirituelle. Parce que la vie ne vous donnera pas ce que vous méritez, mais ce pourquoi vous combattez. 01 31 51 06 05 96 77 12 77 54 83 80.
Ecclesia, Ngai Katia Lusambo, Nayoki Ndeko Azalaki Kombondela, Yoka Malubanaye. Tu es mon Dieu, Éternel des armées. Tu es mon Dieu, moi je n'ai que toi. Vers qui aller? Tu es tout pour moi. Qui peut m'aider en dehors de toi? Tu es mon Dieu, Éternel des armées. Tu es mon Dieu, moi je n'ai que toi. Vers qui aller? Tu es tout pour moi. Qui peut m'aider en dehors de toi? Mes larmes ont trop coulé, coulé. Mes larmes ont trop coulé, papa. Viens me sauver. Pauvre cri, tu entends sa prière. Je t'en supplie, ô papa, viens relever ma tête. Vers qui aller? Tu es tout pour moi, oh, qui peut m'aider? Papa, je n'en peux plus. Oh.